Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Non. Sur Fortnite Battle Royale saison 6. Oui, excusez-moi, je suis trompé. Donc aujourd'hui nous allons découvrir le nouvel événement. Vous avez vu sûrement le trailer sur ma chaîne YouTube. J'ai posté un trailer à propos de Fortnite Nightmare. Ou Fortnite Mare, voilà c'est ça. Fortnite Cauchemar, le pire cauchemar de tous les joueurs Fortnite. Donc voilà. Alors, je me suis dit que j'allais faire une petite découverte vidéo avec vous. Donc, c'est parti, je lance Battle Royale et on va aller voir un peu tout ce qu'il y a de nouveau sur cet event, tout simplement. Alors, regardez, on a déjà deux nouveaux skins. Hein. Bon, après, les skins, c'est des choses que je n'achète plus. Hein. Vous savez, monsieur Fortnite, vous m'avez enculé 200 balles, une fois pas deux. Alors, disponible, Fortnite Cauchemar, des décorations fantastiques. Automatique, des monstres terrifiants et plus encore. Venez découvrir les horreurs libérées par le cube. Ok, nickel. Alors le cube, il libère des horreurs. Je vous spoil direct ou je vous spoil pas? Non, allez, je vous spoil pas. Mais si vous n'avez pas vu la cinématique, si vous avez vu la cinématique, vous savez de quoi je parle. Hein. Alors, 6 coups. Tirez à la hanche pour abattre votre cible en un éclair. Ah, faut que je tire à la hanche pour abattre une cible, ok. Vous prenez le temps de viser pour atteindre la précision parfaite, ok. Ok, donc si je mets 6 balles dans la hanche, il est mort, quoi. Vas-y, va y avoir du grabuge. La tenue, l'implacable et la pioche éclat obscur sont disponibles. C'est vrai qu'il est stylé, c'est vrai. Je l'ai vu dans le trailer, il a des yeux verts et tout. Et comme on peut le remarquer, à gauche, il est normal, avec des yeux bleus. Et à droite, il est vert avec une... un petit truc vert comme ça autour de lui, c'est bien, c'est bien, c'est beau, mais c'est cher. Oh, oh. Kaboum. Regardez bien ce qui va se passer à la fin. Regardez l'île, elle a été détruite. Wouah, trop badass. Mais tellement cher. Ah bon. Oh, vous avez vu ce qu'il y avait là? Vous avez vu ce qu'il y avait? Il y avait des zombies. Des zombies. Et ouais les mecs, plagia Call of Duty Black Ops 4. Ouais, ça va, ils se plagient tous les deux, c'est rien, c'est normal. C'est de bon enfant et puis de toute façon c'est très très bien comme ça. Alors Epic Games, de la part d'Epic Games, profitez-en bien. Ah ouais, merci, ça, icône de bannière, icône de bannière, icône de bannière, icône de bannière, icône de bannière. Ok, nickel. 5 icônes de bannière, on sait pas pourquoi, mais merci quand même. Nouveau, disponible. Bon, je vais vous montrer la boutique, hein, bien sûr, parce que voilà quoi, vous êtes là pour ça. Alors les évolutions. Les évolutions, on peut pas avoir ces évolutions, sérieux? Et si je laisse patienter, est-ce qu'ils vont le montrer? Ah non, ils montrent pas les évolutions, impossible de voir les évolutions. Mais vous avez vu, il y a une petite icône en bas à droite du skin qui est un rond, et puis un autre rond dessus, et puis encore un autre rond. Ça, ça veut dire que c'est évolutif en fait. Je pense que c'est les nouvelles icônes pour dire que c'est des skins évolutifs. Alors, c'est une exclusivité, enfin c'est une nouveauté parce que... Ok, c'est un morceau du cube qui est évolutif aussi. C'est une nouveauté. Mais il évolue comment? Objectif réactif se transforme quand vous infligez des dégâts ou survivez. Ah! Ok! Enfin, ils ont fait le concept de Reddit. Donc, le personnage évolue en fonction des dégâts aux joueurs. Mais c'est juste incroyable, ça! Putain, ils sont sérieux, j'ai envie d'acheter rien que le skin pour ça, mais va te faire enculer Fortnite, vous m'avez enculé 200 boules, j'achèterai aucun skin chez vous. Rendez-moi mon compte et j'achèterai des skins, rendez-moi mon compte, je vous dis. Alors, mais pourquoi je suis dans la passe de combat? On s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'il y a les défis? Les défis, parce que je pensais que ça... Ah, défi du Fortnite cauchemar.
Quoi? Ils mettent des défis tous les deux jours maintenant? Eh, mais ils sont pas au courant qu'il y a Black Ops 4 aussi. Détruire des monstres du cube, blesser des monstres du cube avec le fusil d'assaut ou pistolet, visiter une zone corrompue dans plusieurs parties, danser devant différents gargouilles. Ok, détruisez des monstres du cube. Ok, donc ça, je suppose, c'est les zombies qui apprennent des cubes. Blesser des monstres du cube avec le fusil d'assaut, ouais, donc ça, c'est pareil. Visiter les zones corrompues, donc c'est sûrement là où il y a les cubes. Et danser dans devant différentes gargouilles. Je ne sais pas, faudra que j'aille faire voir les emplacements. Je vous ferai peut-être un tuto là-dessus. Alors, les défis de demain, ils sont toujours disponibles. Ouais, dans 23h. Alors, moi, j'ai fait mes défis de la semaine totalement, hein, semaine 4, j'ai tout réalisé. Et qu'est-ce qu'on a comme défi, comme bonus, là, en réalisant ça? On a une icône de manière? Tu te fous de ma gueule? Là, on a un graphe. Tu te fous de ma gueule? Là, une traînée. Ah, une traînée, ça, c'est déjà mieux, tu vois. Là, on monte dans un niveau, dans un haut level. Et là, le train. Ok, donc c'est l'événement Halloween et ils mettent ça pour Halloween. Ok, ça va, c'est pas mal. C'est le train fantôme, quoi. Alors, je pense que j'ai déjà regardé tout ce qu'il y avait de nouveauté par ici, non? Je pense bien que oui. Boutique? Non, il y a toujours la même. Ok. Alors, nous allons regarder les modes de jeu. Fortnite cauchemar. Ok, solo duo de section. Terrain de jeu. Tournoi d'entraînement duo. Ah, oh, c'est nouveau ça. Votre groupe n'est pas assez de membres. Prouvez votre talent dans ce mode compétitif à chaque partie. Vous gagnez des points en décrochant une bonne place ou en éliminant plusieurs ennemis. Plus vous gagnerez des points, plus vous retrouverez face à des ennemis coriaces. Ah, ça me fait penser au mode ruée dans Call of Duty Black Ops 4 zombies. Ça me fait penser à ça. Mais c'est bien qu'ils se prennent des petites idées comme ça, de toute façon. Hein. Moi, je suis pas contre. Hein. Comme ça, bah, les deux jeux, ils vont atteindre la perfection. Tu vois, s'ils s'allient et tout. Que, ouais, voilà quoi. Bon, allez, on va se faire un petit solo, les mecs. On se fait une game ou deux, tranquillou, pilou. Et puis, on verra un peu comment ça donne. Johnny34 est en ligne. Vous savez que Johnny34 il est en train de jouer sur son téléphone là. Parce que là il est parti à Paris en train et tout et il joue sur son téléphone. Il est complètement taré. Tout ça parce qu'il veut regarder ce qu'il y a de nouveauté dans les événements. Dédicace à toi frérot. Je mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon petit frérot les potos. Ça ferait extrêmement plaisir. Vous savez, vous connaissez les bails. Mon petit chaperon rouge, comme elle est sexy. Ah, avec sa petite jupe là rouge. Ouh, toute mignonne. Oh. Faut savoir que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas été sur Fortnite et regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Oh, il a détruit le lama. Wesh. Oh, c'est trop stylé. Oh putain, il y en a partout. On est envahi par des lamas volants. Wesh, qu'est-ce que t'as avec ta cape? Tu te prends pour un super-héros? Regarde, moi j'ai un chien. Et toi, t'as un chien de la casse. Quoi? Tu me donnes ton arme et t'as pas de munitions? Tiens, je te lance une tomate, hein, j'ai pas le temps. Oh. Waouh! Enfin, sur une année, je n'ai jamais vu le bus aussi stylé. Sur un an de Fortnite, le bus a toujours ressemblé à de la merde. Peut-être une fois à un événement, mais je me souviens même pas tellement que c'était pas ouf non plus. Mais là, franchement, ils ont déchiré. Alors la musique, vous entendez pas la musique, mais elle est pas spécialement ouf. Elle est pas spécialement ouf. Désolé, j'enregistre pas le son du jeu. Parce que bah, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas trop compris comment je pouvais faire avec mon AverMedia. Enfin voilà, le son il est un peu bizarre aussi. Il a l'air un peu étouffé. Donc je préfère ne pas mettre le son du jeu. Oh. Mais en fait il y a de la brume partout. Ah ouais, ok. Et quoi l'île? Ah ouais, l'île elle s'est vraiment détruite. Elle reste là. Ah mais encore Loot Lake alors. Mais en 1000 morceaux. Enfin non, c'est plus Loot Lake. Ah, il n'y a plus le nom. Ah si, c'est... Hein? Ah non, c'est Lady Lake. Je crois que ça s'appelle maintenant. Ok, donc il y a encore la maison. On va directement aller au cube hein, parce que moi... voilà. Oh putain, la maison, elle s'est cassée en deux. Ah, c'est quand même stylé. Hein. C'est quand même stylé. Et les autres plateformes, là? Elles sont où, les autres morceaux d'île, là? Les zones corrompues. Ah ouais, c'est bon, je vois. Ok, attends, on va dans la maison. Ouf, ça passe. Attention parce que... Oh, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Si, si. Je te dis qu'on n'est pas tout seul. Putain, vas-y, je t'ai mis un 94 ou je sais pas combien d'aspects il te reste, enfoiré.
4 HP, si je lui ai mis un 96, putain, il me prend dans le dos, j'arrive à retourner la situation et c'est moi qui me fais baiser. Vas-y, montre-moi un peu ce qu'il y a dans cette maison là. Il y a un ennemi, vas-y, j'espère que tu vas te faire défoncer, frère. Calamité, c'est une vraie calamité, mon gars. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire là? Ok. Ok, il va rien faire du tout, on change de partie, on va mettre le mode Treyarch activé. Non, il faut savoir que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas joué. Les sensibilités de Call of, Fortnite, Blackout, tout ça c'est différent. Tout ça, ça ne s'équivaut pas. Donc quand je change de jeu d'un jeu à un autre, c'est compliqué de retrouver du shoot, vous voyez. Est-ce que vous me voyez? Non. Allez, c'est parti pour la deuxième game, les potos. Au fait, je viens de penser à un truc là. Les défis qu'on a pour le truc Halloween, je pense qu'ils se terminent plus ou moins dans 9 jours. Parce que ben c'est juste pendant l'événement. Mais je regarderai plus ça à la fin de la game. Parce qu'il y a sûrement une date d'expiration ou quoi, où il est marqué vous devez finir ce défi avant tel jour et tout. Tu vois, pour te mettre un peu la pression, pour te dire vas-y, joue, sinon je te pète et t'auras pas tes cadeaux, tu vois. Donc voilà, c'est la... On verra bien à la fin de la game combien de temps on a. Franchement, elle est quand même stylée, hein. Elle est quand même stylée, le bus là, comme ça en noir. Bon. Quoi? What? J'avais pas vu ça. C'est quoi ça? Attends, on y retourne. Il y a un tourbillon qui va jusqu'au cube. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des idées dans l'espace des commentaires, ça fait 3 jours que je regarde pas mes abonnements YouTube, donc. Je suis en plein secret, moi. Secret Black Ops 4, donc... je sais pas trop ce qui se passe, hein. Je suis pas trop à l'actu. Donc si jamais vous avez des petites informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, regardez, à droite de vos kills, il y a le nombre de zombies que vous pouvez tuer dans une game. Est-ce que ça rapporte des points? Il faudrait regarder. Je pense que je vais essayer d'aller en tuer quelques-uns, et puis je regarderai si ça rapporte des points. C'est possible, hein. Possible. Et je ne sais pas s'ils resteront, les zombies. Parce que dans Blackout aussi, il y a des zombies, en fait. Dans Blackout, il y a des zombies dans certaines zones. Ah, mais eux, ils resteront tout le temps. Hein. Ils resteront tout le temps dans les zones. Mais ici, peut-être que ça restera pas. C'est juste pendant l'événement, je sais pas. Donc, j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas me faire niquer. C'est Lady Lake. Non, c'est Leak Lake. Leaky Lake, je crois que ça s'appelle. Mais on le voit pas avec le truc. Avec l'île dessus, on voit pas le nom. Alors, le joueur français au sniper, The French Sniper ou pas? Attention. Oh! La sensibilité! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Putain, mais il est trop lent, le sniper, là. Et lui, il arrête pas de voler, lui. Vas-y! Putain! Ça me saoule. Je me casse. Oh, une scar, nickel, ça c'est bon, ça. Attends, il y a un cube là-bas, on va aller voir ce que c'est. Oh, ah, mais c'est un zombie. Oh. Et oh, c'est stylé, ça. Détruire des monstres dans le cube. Et il faut que je détruise des cubes aussi, je crois. Mais quoi, ça fait... Oh, mais ça fait spawn des zombies. Ok, quand tu tires dans le cube, ça fait spawn des zombies. Je crois que je vais me faire défoncer, frère. Pourquoi j'ai du shield? J'avais pas de shield, moi. Oh, quand je tire des zombies. Eh, quand je tire sur des zombies, je gagne du shield. C'est trop stylé, ça aussi. Attends, j'ai besoin de mes munitions. Et là, je vais gagner du shield alors. Non, c'est que quand... Voilà, je vous ai tous défoncés. Hop. Ah, il y a des munitions. Oh, il y a même des armes. Oh, putain, en fait, c'est stylé, ça. Hop là. Mais c'est qui me tire dessus, là? Mais il est sérieux, lui. Il est sérieux, lui, en fait. Attends que je te touche. Voilà, tiens, vas-y, donne-moi ton arbalète, là, j'ai envie de tester. Attention. L'arbalète va me tomber dessus. Hop. Voilà. Merci, mon pote. Munition illimitée. Putain, il l'avait enlevé et ils l'ont remise. Mais c'est une autre arbalète différente. Avec du poison. Quoi, si je tire sur un ennemi, il devient mon allié ou quoi? Comme dans Call of Duty. Non, mais sérieux, si je tire sur un zombie, il va peut-être devenir mon allié. Faudrait tester. Ouhouhou, t'as pas eu la prendre celle-là, mon frère. Te retourne pas parce que sinon je t'emmène en plein dans les yeux. Wesh, attends, un petit shield. Mais ouais, en fait, je sais pas ce que je fais, moi. Hop,
Hop, petite construction. Hop, la petite maison dans la prairie. Le méchant nous va arriver. Il va souffler sur ma cabane. Il va me la détruire. C'est sûr et certain. Attention, attention. J'entends que ça tire. On va aller voir ce qui se passe. Munition limitée. Oh! Ah putain, j'ai cru que c'était un gros balèze, mais en fait, c'est un bête monstre. Ah non, ça, il devient pas mon allié. C'est n'importe quoi, c'est de la merde. Par contre, il me donne un gros shield. Oh, c'est trop cheaté pour récupérer du shield, les mecs. Oh, y'a quelqu'un en haut. Mais moi, j'ai rien, gros. J'ai pas de bazooka, j'ai rien. Il va me niquer. Il va pas me niquer. Je suis en train de paniquer. Attendez, je me suis gratté là. Hop, voilà, c'est bon. C'est super risqué ce que je fais. Oh, putain, c'est bon ça. C'est très bon. Au début, je croyais qu'il était là, tu vois. Mais en fait, il était là. Donc, franchement, la patience est une vertu. Merci les amis. Tu vas me donner ton arme parce que je suppose qu'elle est chargée quand même. Voilà, il a au moins un chargeur. Il y a un type, il arrive. Hein. S'il croit que je l'entends pas. Ah non, c'est un zombie. C'est un zombie! Oh là là! Mon petit zombie! Oh oh! Oh oh! Allez! Boum! Tiens! Dans ta gueule! Putain! Je suis trop fort! J'ai tué 12 zombies et 2 éliminations! Vous avez vu ça ou quoi? Trop fou, hein? Faut avoir du level pour faire ce que j'ai fait, mon gars! Regardez-moi ça! Bouh! Dans ta tête! Bouh! Ah merde, il faut que je recharge. Je voulais tirer instant, mais non, on n'est pas dans le calaf. Pouh! Katabou! Chikatabou! Attends, regarde là. Chikatabou! Ah merde, là j'ai fail. Quoi? Je viens de remarquer que tout ce que j'avais enregistré, c'était avec la Play. Je viens de remarquer que j'enregistrais pas avec mon OBS. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Je sais même pas si vous m'entendez. Donc j'ai fait un share carré. Vous aurez la première partie avec la Play. La deuxième partie avec OBS. Hein. Donc voilà. Hein. J'étais même pas au courant. Je suis vraiment endormi, moi. Je lance un enregistrement. Il se fait même pas. Attendez, c'est pas possible, ça. Combien de temps il a duré celui-là? 18 minutes. Bah si, mais il s'est stoppé, je sais pas pourquoi, il s'est stoppé. Après 18 minutes, il s'est stoppé, je comprends pas. Enfin bref, on a relancé, on fait une petite dernière game et puis après les potos, moi je vous laisserai ici. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Hein. Bon, en tous les cas, ça m'a fait plaisir de la faire, donc c'est le principal. Hein. C'est que moi, je me fasse plaisir. Hein. Après, si ça vous fait plaisir, tant mieux, c'est un bonus. Mais bon, après, voilà quoi. Allez, on va aller à Pleasant Park parce que je sais que là-bas, il y a beaucoup de décorations souvent. Et en plus, regardez-moi ça, on voit déjà de la lumière. On voit une maison lumineuse là-bas. J'ai bien l'impression, hein.
Est-ce qu'il y a des nouveaux endroits? Lazyling, Jungle Song, Antle Hills, Pleasant Park, Snooby Shore, Queasy Grove, Tinted Tower, Shifty Shaft, Flush Factory, Salty Spring, Fatal Field, Lucky Landing, Power Dispine, Wet Eye Wall, Lonely Lodge, Winning Wood, Tomato Temple. Oh, je me prends là. Non, c'est bon. Tomato Temple, Whiskey Hills, Winning Woods. Non, il n'y a pas de nouvelle ville. Il n'y a pas de vraiment de nouveaux endroits, hein, je crois pas. En fait, la maison que je croyais qui était lumineuse, bah, en fait, rien à voir. Elle est juste blanche. Attends, je peux sonner à la porte là. Il y a quelqu'un, il y a un ennemi. Je vais sonner à l'autre porte. Attends. Vite, s'il te plaît, vite. Quoi? Rentre dans la maison, connard. Ah, je l'ai pété. J'ai pété le truc, quoi. Allez, descends, je suis en bas. Ah, je peux plus sonner. Fais chier. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Il est là. Tiens. Ils m'ont même pas touché. C'est la puissance. Putain! Genre, je l'ai pas vu dans l'escalier. Genre, il était caché derrière la rambarde. Genre, il a passé indiscret. En plus, il est tout rouge, mais c'est n'importe quoi, ça aussi. Putain, c'est pas possible, je vais péter un plomb. Moi, je voulais visiter un peu la ville, j'ai rien vu du tout. Bon, en fait, le problème de Fortnite, c'est qu'à chaque fois, tu dis, c'est la DR, la dernière, tu vois. C'est la DR des DR, mais en fait, je t'en refais toujours une, tu vois. Pareil avec Blackout. Putain, c'est pareil. Tu meurs, tu te dis, ouais, non, allez, je peux pas mourir sur ça. Ouais, il faut que je fasse un top 50 en solo. Comme ça, je réussis mon défi. C'est bien ça. Allez, on va faire ça. Sonner à la maison où se trouve un adversaire dans plusieurs parties. Bah ouais, parce que je l'ai fait deux fois. Je m'en ai calculé qu'un. Tout ça parce qu'il était sur le toit. Pff, ça devrait être calculé, franchement, c'est mal fait ça. Bon. Voyons voir où on va aller. Vous voulez aller où, les mecs? Tapez 10 si vous voulez aller à Fortnite Battle Royale. Là, je rigole. Mais on va aller, je sais pas, attends. On va aller à Retiro, franchement, c'est ma ville préférée, les mecs. C'est ma ville préférée, j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait là-bas. Oh, la petite araignée sur le bus. Ouais, franchement, ils ont mis des décorations dans le truc, c'est quand même stylé, ça. Putain. Call of Duty Black Ops, Treyarch. Vous avez encore du chemin à faire, hein, pour rattraper Fortnite là. Il est trop dans le turfu, Fortnite, gros. Après, il pourrait encore faire mieux, hein. Fortnite, il pourrait faire mieux, c'est sûr. Mettre des araignées qui bougent ou je sais pas, moi, tu vois, il pourrait faire mieux. On peut toujours faire mieux, de toute façon, un jeu, on peut toujours l'améliorer. Donc bougez votre cul, bordel de merde. Non, franchement, sérieux. Faut que Call of Duty bouge son cul, qu'il recopie un peu plus Fortnite là et que... Regardez-moi ça. Nous quand on a... Regarde le bus là. Nous quand on arrive sur Blackout, on a des avions de guerre, des hélicoptères de guerre. Enfin, c'est des hélicoptères, tu vois. Mais ils sont pas décorés, tu vois. Ils sont pas stylés. On n'a pas un petit animal de compagnie aussi, tu vois. C'est bien, c'est stylé, tu vois. Ça donne de l'animation, quoi, tu vois. C'est comme dans le mode zombie, hein. Ils nous ont mis des danses dans Blackout. Ça, c'est stylé. Franchement, je kiffe. Mais ils ont pas mis de danse dans le mode zombie. Après, c'est sûr que si on met des danses dans le mode zombie, ça va peut-être être trop exigeant pour le jeu. Le jeu va peut-être un peu plus bugger ou ils se concentreront moins sur le gameplay, les easter eggs et tout. Mais c'est quand même des petits trucs, tu vois, qu'ils pourraient mettre en place, tu vois, s'ils l'ont mis en blackout. Pourquoi pas le mettre en zombie, quoi. Allez, laisse-moi te tuer, gros. Putain, c'est bon, quoi. Quand tu vois que tu vas mourir, t'as pas d'armes, laisse-toi, hein, tranquille, laisse-moi tranquille. Tu me fais perdre mon temps, après quelqu'un va venir me tuer, je vais te dégoûter. Mais franchement, quand quelqu'un il vous pourchasse comme j'ai pourchassé l'autre, mais laissez-vous vous tuer, quoi, tu vois. Ça sert à rien de résister, tu vois, vous allez quand même mourir, quoi. Putain, chasse de pompe, qu'est-ce que je m'en balais, quoi.
J'ai un pompe auto. Ah! Quoi? J'ai mis 7, 14, 21. Il lui restait 21% d'HP. Mais c'est n'importe quoi, gros. C'est trop stylé. Putain, mais elle est trop cheatée, cette arme. Oh my god. Oh my god. Putain, tu viens comme ça là, il me lance des grenades et tout. Oh, j'hallucine. Regardez-moi ça là, P90 mon gars. Pff, trop cheaté. Oh! Mais non, mais vas-y, hein, putain, je suis en train de tuer des zombies, j'ai même pas visité ma ville. J'ai chier. Putain, je devais faire un top 50, j'ai fait un top 64. Tant que je fais pas un top 50, j'arrête pas la game, les mecs. C'est fini, je suis déterminé, on va faire un top 50. M'en fous si la vidéo dure une heure, c'est comme si j'aurais fait un live de une heure, ok? Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, à tous les nouveaux abonnés, à toutes les nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager un maximum pour m'aider à évoluer, d'atteindre sur YouTube et d'atteindre les 1 700 000 comme Michou, ok? Non, mais non, c'est bon, je rigole. On sera jamais au niveau de Michou, gros. Michou, voilà, c'est Michou, quoi. Le Michou, qui est avec ses petites danses. Ah, j'ai regardé sa vidéo avec les danses, là. Ah, je ne saurais jamais faire ça, hein. Je ne saurais jamais faire ça. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si vous me voyez faire une danse, moi, me filmer en train de danser comme ça, j'aurais l'air d'un vrai con. Non, ça va, merci, non. Non, ça va, ça va. C'est déjà bon. Le ridicule ne tue pas, mais ça rend riche chez Michou. Ça rend riche, MDR. Non, mais c'est trop ça, quoi. Vous savez que le salaire de Michou, c'est entre 10 000, 30 000. Ouais, je crois, un truc dans le genre. Mais franchement, c'est hallucinant. 17 ans, 10 000 euros par mois. 30 000 euros par mois. Ok. Et après, c'est que le salaire de Squeezie. C'est juste insane. Bon, moi, je frôle pas le sommet, hein. Moi je suis encore en bas de l'échelle, toi. Après 5 ans, on stagne, on est bien. Au calme, non, on stagne pas, ça va, on évolue, ça. On évolue assez bien, assez vite, ça va. Pas trop en plainte. Alors, on va aller à Retaille. Il y a des gens, ils arrivent pas sur YouTube. Moi j'y arrive un petit peu, donc ça va, tu vois, pas trop en plainte. C'est sûr que la YouTube Money, chez moi, ça. C'est pas le top, hein. On va pas se mentir, que c'est pas trop le top. Je peux pas survivre avec ce que je gagne, mais Inch'Allah verra. Peut-être un jour je toucherai assez pour pouvoir en vivre. On verra bien. Inch'Allah, on verra bien. Bon. Je vais retourner dans ma petite ville. Bon, en fait, il n'y a pas énormément. Il y a beaucoup de décorations, beaucoup de brouillard, beaucoup de Bambi. Il y en a un sur mon toit. Justement, de Bambi. Alors, définition du Bambi, c'est le nouveau terme de noob. Voilà, c'est un noob, c'est un noobie. Mais voilà, les gens, ils ont préféré utiliser Bambi maintenant. Attends, j'ai un problème, je peux pas tirer. Je peux pas tirer. Je peux pas tirer. Je peux pas tirer, frère. Putain, je pouvais pas tirer, gros. T'es obligé de te mettre ma petite popo là. C'était pour moi ça. Je la méritais, gros. L'arbalète, j'ai jamais fait un kill avec l'arbalète, alors je vois pas pourquoi je la prendrais maintenant, ok? Non, 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 mais si, vas-y, je vais la prendre parce que voilà, hein, je suis un gros Bambi. Faut que j'améliore mon bambitaïsme. Qu'est-ce que je raconte?
Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ah, on va prendre deux mitraillettes. Mais on est ouf. Ah, allez, vas-y, on va prendre la petite mitraillette. Ah, bah, pourquoi on prendrait deux M4, franchement, ça servira à quoi? Hop. Voilà, on sait jamais. On le met... Oh. Les pièges ici, on les pose n'importe où, ça fonctionne. Ou peut-être pas, là. Hop. Trop la flemme de casser la rampe, t'as vu, quoi? Attention. J'entends tirer. Là-bas. Hop! Jamais fait un kill avec, mais tu croyais quoi sur le coup? Franchement, tu croyais vraiment que t'allais le toucher? Bah ouais, pourquoi pas. Il y a des gens, ils tirent à 150 millions de kilomètres et ils en touchent et ils font... Oh, je peux prendre le quad et me casser comme ça, là? Oh oui, oh, trop stylé. C'est trop stylé, frère. Regarde, je vais encore me plaindre parce que je fais pas de top 50. Si je passe... Mais en même temps, si je fonce dans le tas... Voilà, il y en a un qui est mort. Oh oui, oh, oh, j'ai jamais fait un kill avec et là je viens de faire quoi? Un kill à l'arbalète, les frères. Si ça c'est pas magnifique, si ça c'est pas insane, je veux un max de GG dans les commentaires, même si vous ne le ferez pas, mettez quand même un max de GG parce que franchement c'était beau ça. Vous mettez hashtag GG ou alors hashtag arbalète pour me dire que vous avez vu le kill à l'arbalète. Voilà, ça c'est bien, ça, hashtag arbalète. Si vous avez vu le kill, mettez hashtag arbalète. Pour la peine, je n'échange pas mon arbalète, j'échange mes grenades. Voilà, putain, je suis tout fou là. Je suis tout fou. Top 50 en plus, c'est la dernière, les gars. C'est la dernière. Et je vais essayer de vous offrir un top 1. Ouais, non, ouais, non. Ouais, super, carrément. Attendez, je vais juste faire un petit défi là. La zone, elle arrive dans 50 minutes, donc ça va, on a le temps. On a juste une histoire de 55 minutes pour aller faire ça. Ok. Ok, bro. Ok, bro. On arrive, bro. Oh, des petites pommes, bro. Chikatapou, Takitapou, Chikatapou. Oh putain, je voulais faire une doublette, j'ai pas réussi. Eh, hey, tu crois qu'il y a moyen de faire une doublette? Si, hein, y a... Attends, on va essayer sur un zombie. Si on peut faire une doublette sur un zombie. Non, on peut pas faire de doublette sur un zombie, donc on peut pas faire de doublette sur les joueurs Fortnite. Putain, ça c'est dommage. Je me suis toujours demandé si on pouvait le faire. Dans Call of Duty, je pense qu'on peut le faire. Ouais, on peut le faire dans Call of Duty, on peut le faire. C'est sûr. Oh, oh, noscope. Pouf. Oh, noscope. Le noscope, il passe trop bien. Ah, là, il a pas passé, là. Voilà, il a pas passé. Tu m'as tapé. Ouh, c'est trop chaud. Ouais, je suis chaud. En plus, c'était des noscopes dans la tête, quoi. Oh, je vise. Non, pourquoi je frise, là? S'il te plaît, non. Vas-y, j'étais en top 38. S'il te plaît, non. Fais pas ça. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, putain, pourquoi? C'est n'importe quoi, frère. Moi, je m'amusais bien et tout sur leur jeu. Ben là, je suis dégoûté, quoi. Je vais même pas recommencer. Hein. Moi, je m'en balais que je recommence pas. Où est-ce qu'ils sont, les trucs, là, pour afficher notre vitesse de connexion? Vibration... Ah voilà, stade debug réseau, voilà, c'est ça, sauvegarder. Connexion perdue, quoi, carrément, j'ai un 36 de ping. Connexion perdue, franchement, je suis... J'ai le seum. Putain. C'est bon, ça a repris. Ça a repris, les mecs. Ça a repris. Putain, c'est juste incroyable. 25 secondes de déconnexion. Et quoi? Je peux continuer ma game. C'est juste insane. Vas-y, il faut que je détruise ça, en fait. Ah, bah non. Bah non, je vais faire mes monstres au calme. Je vais faire mes trucs aux monstres. Voilà. Par contre, j'ai entendu quelqu'un qui tirait. Ah, il est là. Oh oui, je l'ai touché avec l'arbalète. T'es mais là trop de construction, j'en ai pas. Putain, fais chier.
Il fallait avoir une déconnexion, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Ils sont sérieux, là. Enfin, voilà, quoi. C'était quand même une belle partie, avec une petite déconnexion entre-temps. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même assez cool. Cette vidéo touche à sa fin, les potos. Je pense que je vous ai présenté un peu toutes les informations news qu'il y avait. Peut-être pas dans les moindres détails, parce que je ne suis pas au courant de tout. Je ne me suis pas assez informé. Mais voilà, si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à le mettre en description, enfin en commentaire, c'est moi qui note dans la description, ce serait cool, c'est moi, c'est pas eux, ok, c'est moi, oui, oui c'est moi. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas franchement n'hésitez surtout pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de le partager aussi, parce que si vous partagez, je vais pouvoir peut-être gagner plus de YouTube monnaie, ça me ferait extrêmement plaisir aussi, et je serai peut-être en tendance, parce que je ferai plus de vues en moins de temps et tout. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Hein, merci à tous, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool au Mike, une petite danse pour la fin, un petit salut royal, et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool au Mike, et ciao. Peace. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh.